Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de deux nouvelles cartes qui ont été dévoilées en Asie, l'Imp of Malchizar et également le Raven Grimoire. Donc simplement on va essayer de tirer le maximum d'informations sur ces cartes là, les points forts, les points faibles, ce qu'on en pense, tout ce qu'on peut dire tout simplement. N'hésitez pas à réagir bien sûr dans les commentaires, je suis actuellement en jeu, comme ça on peut voir un petit peu justement les synergies directement. Alors, cette carte là, Imp of Malchizar. Pour Odd Mana, on a une O3, donc en termes de statistiques, on a clairement une bonne carte. Pour Otura, c'est très très correct. C'est un démon, donc ça c'est également un point positif. Pourquoi? Ben, simplement, on va taper démon ici, hein. On va le voir directement. Bon, si jamais on envisageait de pouvoir suicider notre serviteur, on pourrait. En termes de stats, c'est un marcheur du vide, on le sait. On peut buffer avec le feu démoniaque, même si cette carte, il y a peu de chances que ce soit joué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des buffs démons, ce sera pas ciblable par le courroux démoniaque. Autre chose, c'est la plaie funeste. Pour le coup, la plaie funeste, elle va être... là, on va sur quelque chose de plus compliqué, mais la plaie funeste, elle va être nerfée à travers cette carte-là. Parce qu'elle invoque un démon aléatoire, et du coup, bah, on donne un démon faible pour la plaie funeste. Donc ça, c'est un petit peu dommage, petit nerf indirect de la plaie funeste. Maintenant, on va quand même s'intéresser au texte de cette carte. Quand vous allez discarder une carte, vous allez piocher une carte. Donc quand le serviteur sera joué. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Dans quelle possibilité, dans quelle situation? On va tout simplement taper des fausses. Des fausses, le jeu va nous afficher les cartes qui font des fausses. Donc, on imagine qu'on a posé l'Imp of Malchizar, qu'on joue à Feu de l'âme. On récupère une carte. En gros, avec Feu de l'âme, on va afficher 4 points de dégâts, on perd une carte et on récupère une carte, on pioche une carte. Donc ça, c'est très très bon. Première synergie, Feu de l'âme c'est joué, donc pourquoi pas. On peut envisager du coup jouer un deck avec l'archiviste de Sombre Comté. Cri de guerre vous défausse d'une carte aléatoire, Raldaroni vous pioche une carte. Donc en gros on perd une carte, on en repioche une et on a un Raldaroni qui nous fait repiocher une carte. Et pour ça on a une 3-2 pour 2, donc c'est intéressant, cette carte qui n'est pas jouée mais qui pourrait. Succube qui est très très forte en vérité, c'est une carte 3 pour 2, le problème c'est défausse une carte. Là encore on peut être sur quelque chose de rentable. On a effectivement ce poids Jaxus qui nous défausse d'une carte. Attendez. Oui. Vous défausse de cette carte. Ok. Oui. Et là, c'est quoi? Chaque fois que vous défaussez une carte, gagne plus 1, plus 1. On pourrait même envisager un deck avec ça dedans. Mais ce qui est très intéressant, c'est avec les cartes funestes, en fait. Imaginez tour 6, vous n'avez plus rien dans le deck ou une ou deux cartes. Enfin, en main. Donc vous avez votre main avec l'Imp of Malchizar, garde funeste et une ou deux autres cartes. Vous jouez ce nouveau tour 1, vous jouez le garde funeste. Donc vous allez vous défausser de deux cartes, mais grâce à l'Imp of Malchizar, eh ben, j'imagine qu'on pioche deux cartes. Quand vous défaussez d'une carte, pioche une carte. Ben là, avec le garde funeste, ça fait deux. Alors, j'ai lu quelques... Merde, je vois que le fond vert a un peu bugué. Hop, regardez, petite astuce. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai vu pas mal de gens critiquer, j'ai regardé un petit peu les premiers retours sur cette carte-là, c'était très négatif. Moi, je dis pas que c'est OP, j'en suis pas encore là. Je dis qu'il y a un gros potentiel avec cette carte-là. C'est clairement pas une carte à jeter. Il faut se dire que là, on a eu que quelques nouvelles cartes. Il y a de nouvelles cartes qui vont arriver. Donc, peut-être que la mécanique de discard va être buffée. Et vraiment, là-dessus, il y a quelque chose à faire. Hein. Vraiment, la carte est bonne. C'est un démon, donc atout. Et en plus, il y a un effet qui est vraiment, vraiment pas dégueu. Donc, moi, je suis très content de cette carte-là. Après, ce serait vraiment pour un deck très agressif, faut sans doute. Mais voilà, peut-être un nouvel archétype discard un peu plus prononcé. On va voir ça dans les prochaines semaines vu que l'extension sort le 12 août pour rappel. On enchaîne avec le Raving Grimoire pour Admana. Admana, on a une AA, donc clairement c'est un body très faible. On va poser de la merde, hein, on va pas se le cacher. La E3 est un petit peu intéressante pour chercher des trades. Ici c'est vraiment nul. Cri de guerre ajoute une carte mage. Enfin, un spell mage aléatoire dans votre main. Donc en gros, on joue une AA pour avoir une carte aléatoire. Spell. Putain. Un sort, voilà. Un sort mage aléatoire. C'est plutôt mauvais en fait. Les stats sont mauvaises de la carte. L'effet aléatoire est très mauvais. Si au moins c'était découverte, ça aurait été intéressant. Comme un peu l'idole. L'idole du corbeau en druide. Ben. Ok, on n'a pas de body AA, mais c'est pas grave. Derrière, on a le choix entre soit un sort, soit un serviteur. Et en plus, c'est une découverte. Ici, c'est vraiment full aléatoire. On peut vraiment choper de la merde. Le seul petit avantage qu'on pourrait trouver à la carte, c'est que c'est un cri de guerre. Donc peut-être qu'avec Bran,
Bon, on peut en récupérer deux, admettons, mais là on va chercher loin. Donc pour moi, je vois pas l'intérêt de la carte. Là, je dirais que la carte, ça rentre dans la catégorie des cartes qui ne seront certainement pas jouées. Là où l'autre carte, démoniste, a du potentiel, celle-là, je la vois pas jouer. On peut trouver un autre intérêt à la carte, c'est que l'artwork est vraiment joli, c'est vraiment une belle carte. Mais bon, là, on va chercher plus loin. Alors certains vont me dire, oui, tu dis ça, mais en attendant, le cabaliste aussi, c'est aléatoire, et pourtant, parfois, c'est joué. Oui, parfois c'est joué, le cabaliste, le grimoire du cabaliste. La différence, c'est qu'ici, on gagne 3 cartes. Place 3 sorts aléatoires. Donc là, on a clairement l'idée de je joue une carte et j'en récupère 3. Donc on a de la rentabilité, on gagne beaucoup de cartes. Ici, pour moi, c'est vraiment différent. C'est que on joue une carte pour en récupérer une autre aléatoirement, c'est vraiment pas bon. Donc cette carte-là, je la sens pas trop. Par contre, vraiment, cette carte-là, je pense qu'il y a un gros potentiel. On va cesser là-dessus, pas besoin d'en débattre plus longtemps, pour moi en tout cas. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai certainement peut-être oublié certains détails, certaines choses, certaines synergies. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a de nouvelles cartes qui vont arriver. Donc peut-être que tout ce que je dis va évoluer par rapport à ces nouvelles cartes qui vont arriver. On le sait pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, tu dors plutôt fort. Ciao les gars! Let's get